business. Bienvenue au téléachat. Tu m'as fait une petite intro, tu vois, pour le tout début. Bon, ben, salut à tous, je suis accompagné de Kairi. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de vidéo, donc je suis allée la chercher. Voilà. Ouais, et qu'est-ce que tu tiens en main en fait? Un petit bocal venu de Jiffy. Tu vois? Et dedans, nous avons des produits qui viennent de nos amis les petits chinois. C'est ça? Japonais. Les petits japonais, excusez-moi. Avec plusieurs choses. Voilà, donc en fait, j'ai ramené ça d'un festival à Avignon, vu que c'est beaucoup culture japonaise, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas récupérer quelques petits aliments que nous n'avons pas ici, que nous ne savons pas quel goût ça a. Et du coup, je me suis dit, bah, avec qui faire une vidéo comme ça? Bah, j'ai proposé à Kairi. Bien évidemment. Eh oui, voilà. Qui d'autre? Alors. Vas-y, sans regarder, t'en pioches. Hein. Ouais, je connais les trucs. On commence par les choses. Les genres de Mikado, ouais, ouais. Bizarroïdes. On va faire un petit swatch, comme ça. Nous partons sur du Mikado. Ouais, enfin. Japonais. On dirait au chocolat, mais je sais pas, t'as vu la couleur au-dessus, elle est un peu rosâtre. Et il y a du... Du lait. Ouais, donc là, il y a écrit... T'as qu'un tout quitté, Yamamoto. Ouais, c'est ça. Je te propose d'ouvrir et va. De goûter ça. Est-ce qu'on a les mêmes goûts? Ben oui, là, ça se voit. Enfin, moi, je pense que c'est du chocolat normal. Non, à mon avis, tu vois, c'est le bâtonnet qui a un autre goût. C'est bizarre. Bon, à 3. On perd, ouais. 1, 2... Mikado quoi. Ah, tu choisis bien tes trucs toi. Mais non, mais il y avait écrit un truc. Je vais à casino, le même. Ouais. Si, il y a des petits morceaux de noisettes, j'ai l'impression, non? C'est en France. Ah ouais? Je sais pas, moi je connais Mikado normal. Sors jamais dessus lui. Mais non. Faudrait mais vas-y, c'est trop bon ça. Je vais arrêter de geeker. Ouais, mais Zelda. Vous arrêtez maintenant. Vous arrêtez. Ferme les yeux, cloche. Ok. Ah, mais je connais. Ouais. Et nous avons un truc comme ça. Et alors, c'est saveur coca. Et ça a l'air d'être des bâtonnets. Comment tu écris saveur coca? Ce que je sais. C'est écrit là. N'importe quoi. Bah si, là. Mais je sais pas lire ça. Bah si. C'est des bonbons. C'est des bonbons. Comment c'est que c'est coca? On te l'a dit. Bah bien sûr. Toi tu demandes. Mais ma foi, il y avait une étiquette, il y avait coca dessus. Donc je me suis dit, bah on va tester ça. Ah, c'est bizarre. Ah. C'est des craies Orion. Voilà, donc des craies Orion, n'est-ce pas? J'ai peur. Mais non, mais on sait pas, peut-être que ça pique en bouche. Tiens, ça fait très délicieux. Ce serait trop bien. Ça sent le chimique. Bah grave hein. C'est chimique là. On le met en entier. Allez. On le met en entier. Bon allez. 1, 2, 3. On me fait une dent. Ah c'est un peu, on dirait les pèzes. Mmh. Ouais. Ça se, pas, ça hein. Se décompose. Ouais, mais c'est pas terrible. Ah, quoi, ça? Je sais pas. Il a notice. Ça colle aux dents. Ah, moi je suis pas très fan. Ah, bah non plus. Tiens, c'est de la poudre. C'est cadeau, je te l'offre. Ah, ouais. On va l'amener chez toi. On va passer au l'aliment suivant. T'as le choix entre des chewing-gums ou. Des biscuits. Alors, lui, c'est parce que j'ai bien aimé la tête de la gueule du gamin, il me fait très peur. Mais je pense que c'est à la fraise. Ben... je pense que c'est à la fraise. Je vais faire un beau zoom dessus. J'ai une fraise. Mais c'était une feinte. Oh. Mais c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, regarde comme c'est trop mignon. Alors là, je ne attendais pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Oh con, ça pue le chimique, fraise.
Ah. En plus, je déteste les trucs goût frais. C'est tellement chiant. Mais alors là, au con. Oh, ça pue. Ça donne pas envie, hein. Allez, mange. D'accord. Oh mon dieu. Bon, ouais, ça va. On sent pas trop la fraise. C'est que de l'odeur. C'est que de l'odeur. C'est dans la merde. Dernier objet. Dernier objet. Nous partons. C'est normal qu'on finisse par ça d'ailleurs. Hein. Oui, c'est logique. Sinon, j'ai cru dans ta main. Alors. Vas-y, bah, où tu veux, mais pas dans ma main. Regarde là, t'aurais pu te mettre là. Ah, regarde, mais ils ont plusieurs couleurs. Oh, alors voilà, c'est des chewing-gum Pokémon. Des chewing-gum Pokémon. Wow. Avec plusieurs goûts, enfin je sais pas en fait. I play Pokémon. Je sais pas s'il y a plusieurs goûts. Mais sans pas le paquet. C'est con. Voilà, mais... sont plutôt. Je sais pas, moi je dirais, tu vois, citron. Tu sais les roses. Fraise. Les. Attends, écoute. Non. Écoute. Oui, je t'écoute. Les comme ça, roses. Ouais, Emma. Tu sens. Comme ça, ça sent. Mais ça, oui, les... mais c'est les Hollywood. Vas-y, moi je vais prendre le bleu. Ok. Hop. Ah bon. On est comme ça, dans la vie. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est pour rigoler. Ah ouais, c'est pour rigoler, je crois. Ça doit être au cola, non? Tu penses? Ben, encore. Ah non, tu l'as. Mon cola. Ah ouais. Mais ouais, j'ai envie de l'avaler. C'est normal, docteur. Non, mais je pense que c'est pas un chewing-gum. On a l'air con là. Mais ouais, ah, parce qu'il diminue dans ma bouche. Ouais, moi aussi. Il est comme ça, il est comme ça. Donc je sais pas où il est passé, mais. Arrête, mais moi il se désagrège là. Moi aussi. C'est cool. C'est pas un chewing-gum. Ouais, on avale ou pas? Bon, j'avale. Mais t'as fait chier. Et ben c'était super bon. Ben ouais, en fait ça va. Indélice. Ouais, mis à part. Non, ça va encore. Je m'attendais quand même à pire niveau goût. Bien sûr. Ça c'est bon, c'est comme des Mikado. Ouais, normal. Ça j'approuve, j'en ai acheté. Qu'est-ce que t'as pensé de ces jolis bâtonnets goût Coca-Cola? Genre pèse, mais en. Les filtres. Oui. Les ouais, grands filtres pour des grandes cigarettes. Non. C'est dégueulasse. T'as pété les filtres, regarde. Je vous ai fait un pire. Taille parfaite, idéale pour cigarette normale. Les biscuits. Les biscuits. Les biscuits. Qui sont forts, très peu. Fort en odorat, mais pas fort en goût. Voilà. Et les chewing-gums qui ne sont. Qui ne sont pas des chewing-gums, c'est incroyable. Appelez maintenant pour acheter vos produits si vous le souhaitez. Voilà, et je vous ferai une remise bien, parce que c'est vous, une remise de moins 50%. Oh. Eh oui, aujourd'hui, ouais. Je suis généreuse. Donc, on a un premier appel. Voilà. Ah, celle-là, il est malade, il ne peut pas acheter. Ah merde. Ouais. Je vous mets, il va vous mettre dans le... truc de description, le lien ouais. En description. D'accord. Les liens. Des références des produits. Références. Les frais de port sont pris en charge par Kairi. Oui. N'est-ce pas hein. Oui. J'ai trop d'argent. Du coup, voilà. Je YouTube ouais. Money, take my money. Ouais. Bon, ben du coup, voilà. C'est une fin de vidéo assez courte mais sympathique. Voilà. Hein. Pleine d'émotions. Oui. Donc, depuis le temps qu'on voulait faire une vidéo, ben c'est fait. Voilà. Voilà. Donc tu peux laisser un commentaire, tu peux t'abonner à la chaîne de Kairi. Kairi Rizet. Tout à fait. Et d'ailleurs, qui va revenir, je l'espère, bientôt sur mais YouTube. Très bientôt, avec des vidéos exceptionnelles. C'est pour ça que je vous prévois un truc de malade, parce que ça fait 3 semaines, je crois. Oui. Voilà, qu'elle est pas venue, donc ça doit être un truc de dingue, quoi. Et puis voilà, et puis tu sais très bien comment tu dis à la fin de tes vidéos, n'hésite pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Comme ça. Vous abonner juste en bas, là-bas ou là-bas. Voilà. À mettre un commentaire. Ça fait plaisir. À partager. Ouais. À faire ce que vous voulez. Et puis voilà. Et puis on se retrouve bientôt. Et puis on se refera un live. Et on se retrouve déjà au fin. Ah, et ça, ok, voilà.
C'est les bonbons qui me font changer de langue. Ben oui. Et voilà, coup de cheveux, et je vous dis... Dans ma France. Allez, ciao, ciao. Ciao.